cette horreur de, des armements, qu'on on donne plus de... On dirait que c'est une civilisation qui donne plus de valeur à la mort et à la destruction qu'à la vie. Vous voyez, regardez les dépenses militaires, les dépenses de l'armement, les dépenses sont significatives d'une conscience non évoluée. Voilà. C'est une conscience qui est attardée, vraiment. Si l'on met en perspective le fait d'une évolution ou sortir de l'hominisation pour aller vers l'humanisation, et l'humanisation doit, à mon avis, enfin c'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez Teilhard de Chardin, c'est-à-dire que, vous savez, le point oméga, c'est-à-dire dans le sens où il y a une convergence des consciences pour faire une seule et même conscience, bien sûr, ça ne veut pas dire uniformisation, ça veut dire simplement que cette fédération des consciences doit aboutir aujourd'hui à imaginer ou à mettre en perspective ce que va être le vivre ensemble, et en même temps, le projet de société pour le futur.